Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, chers amis, avec l'aigle. Ah non, c'est pas un aigle qui passe derrière, c'est une espèce de vaisseau. Ok, et donc je me suis dit pour troller, voilà qui on va prendre. Ou alors on prend Zenyatta pour la blague. Pour la blague. La vacuité est forme et la forme est vacuité. Pour la blague, restons zen. Zen, restons zen. Ça parce qu'il y a un mec qui s'appelle Legolas. Oups, excusez-moi. Et donc, d'accord. Ok. Ah d'accord, ok, d'accord. C'est une grosse attaque chargée qui fait pas de dégâts. Et il recharge. Il a besoin de recharger. C'est logique. Tiens, profite. Il a pas de plane. Je l'aurais bien mis à planant, moi, vous savez. Hein. Et donc, l'emote que j'y ai mis, c'était juste ça. D'accord, c'est l'emote de base. Alors, s'il se barre, d'accord. Je récupère la truc s'il se barre. S'ils sortent de mon visuel, je... The fuck? Ok, apparemment je soigne. Hein. Ok. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Oh la gueule! Oh la gueule! Ils savent pas lire! Ils savent pas lire! À droite de l'écran, il y a marqué trop de snipers dans l'équipe! J'arrive. Putain! Pourquoi je suis censé défendre tout seul? Dites-moi qu'ils sont tous les deux morts. Qu'ils ont pas eu le point. Oh la gueule, on a des snipers de folie! Oh! Ils savent même pas tuer des gens sur un point! Hop! T'es sérieux là? À cette distance? À cette distance? Bon, je crois que je vais arrêter de prendre un heal. Hein. Quoique si, j'ai un ulti à placer. J'ai un ulti à placer. Ça peut toujours être pratique. Ma transcendance est prête. Attention, ça va péter. C'est pas toi qui l'a lancé. Son bouclier est très solide. Hein. Hop. Si elle était en visu, j'aurais adoré le faire.
Allez. Hop. Eh oh. La défense. Putain, j'ai oublié de me défendre tout seul. Bah oui, bah alors là je vais pas faire long feu hein. J'ai oublié de me défendre tout seul. Hop, j'ai oublié de me défendre tout seul. Hop. C'est moi qui fais le plus de kills. Putain. Putain, j'ai la médaille d'argent des éliminations. What the fuck. Ça a été useless de la lancer comme ça, abruti. Eh ben non. Allez. Non. Eh mais t'es où? T'es où? Si tu te mets pas en face de moi, ça sert à rien. Ah, puis tout le monde se barre. Non. Ah, blablabla. Ils servent à rien, ils défendent que Pouic. Défendre à côté du point. Ah, 8 éliminations, j'ai la médaille d'argent. Vous vous rendez compte du bordel? Avec un soutien. Avec un soutien, putain. Et ben voilà. Une équipe de PGM. Putain, je suis venu d'aller chercher le point, quoi. Oh, la gueule. Personne qui a pris un tank, ni rien. Voilà, défaite. Attention, dans 3... 2, 1. Ah non, ça va, on les a repoussés. Incroyable. Ils sont aussi mauvais que nous. Non, mais cherchez pas. Hein. Hop, voilà. Taylor a quitté la partie, Taylor était dans notre équipe. Hop, bon il a eu la tourelle, est-ce que c'est grave cela dit? La sérénité. Allez, attaquez. Je vais rien dire. Oh, il est joli son masque à lui. À elle, pardon. C'est quoi cette... C'est quoi cette fatale? The fuck? Il y a eu une mise à jour?
C'est pas cette fatale, cette Phara, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce Titan? Chef de la sécurité classique. Ah non, c'est celle-là, d'accord. J'avais pas fait gaffe du tout qu'elle avait ce casque-là. Mais alors pas du tout. Ce casque Gundam du plus bel effet, ben vous savez quoi, on va la prendre pour la prochaine partie. Ah là, là quand elle a un truc comme ça, moi personnellement ça me titille. Ça me titille. Ça me titille. Honnêtement, oui là je... Non. Oui là je bois un coup mais... Non non là une tenue comme ça. Oh bah tiens. Dis-moi qu'on est en attaque. Si on est en attaque ça peut être rigolo. Parce que ça veut dire qu'on va tomber sur la même équipe. Non, c'est pas la même. Oh merde, déjà une Phara. Non, Alvaro, c'était pas sympa. T'aurais pu me laisser Phara. On est en attaque. Bon, bon, on va prendre Enzo, hein, on le prend pas souvent. Oh la gueule! Ah non, il a pas l'intention de changer. Ah ça y est. N'envisagez que la victoire. La défaite doit être impossible. C'est vraiment un trou du cul, Gabi, hein. Abruti ! Le combat commence dans 30 secondes. Je vais dire qu'avoir du coup. Gabi ! Ok, normalement il y a le point de santé ici. Hop là. Hop. Hop, allons-y doucement. Hop, c'est une bonne attaque. Hop. Hop. Comment ils ont deux? Les héros ne meurent jamais.
Ah là là, faut que j'aille voir l'orange. Puis il me voit même pas. Hop. Oh, alors ça, ça j'y crois moyen. Ça j'y crois moyen, le coup du headshot avec une arme qui fait du de la commande là. Ah oui d'accord, c'est complètement piffé. C'est piffé. C'est piffé. C'est complètement piffé. Il va nous falloir une ulti pour les déloger tous. Une ulti pour les déloger tous. Hop. Attention, ça va péter. Hop. Hop. Ah, quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. S'il n'y avait pas eu ce... Ah, puis à quelques secondes près, c'était bon. Je vais pouvoir les... Je suis prêt à libérer le dragon. Alors par contre, non, il aurait dû continuer à jouer. On n'a pas besoin de deux snipers. Hein. Clairement. Hop. Ok. Il va vouloir tenter. Oh, j'y crois pas, ça touche. Hop, ils l'ont eu. Les héros ne meurent jamais. Ah, c'est moi qui ai servi de tank. C'est moi qui ai servi de tank. Les héros ne meurent jamais. Parfait. Ah non, c'est pas moi. Je crois que c'était moi, merde. Ah, c'est pute. C'est... Elle est pas mal celle-là. C'est l'original ou... Oh non. Da. Ils nous ont pondu un... Hop, t'inquiète. Les héros ne meurent jamais. Tiens, bouffez ça. Ok. Hop les. Eh ben dis donc, je pense que j'ai le highlight. Je pense que j'ai le highlight. Honnêtement. Je serais pas étonné. Oui, je l'ai. Je l'ai, chers amis. Bon. En plus, c'est limite l'attaque... Les héros ne meurent jamais. Hop.
J'aurais dû faire un troll. Bon, il a fait 41% des dégâts de l'équipe quand même. Hein. Je suis obligé, là, je suis obligé, chers amis. Hein. Même si j'aurais dû là ou là. Ah oh, la vache. Daenerys, elle a fait du boulot. Hein. Mais enfin bon. C'est bête qu'elle ait pas réussi à ressusciter son... Népoux. Oh. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1. Alors. Ça n'est pas trop mal sorti, hein. On s'en est pas trop mal sorti. C'est faux, on s'en est pas trop mal tiré. J'aimerais prendre ma Pharah, s'il vous plaît. Ok, on comprend pas. Ah d'accord, je comprends mieux qu'ils comprennent pas quand on parlait. Elle est jolie la mienne aussi, regardez, en titane. Oh, j'ai tellement envie de me... J'avais tellement envie de me poster quelque... Elle est jolie quand même, regardez, en titane, et franchement. Moi, je trouve que c'est une très belle couleur. C'est pour ça que j'aime beaucoup aimé le MK2 d'Iron Man, qui était en brillant, en chrome. Parce que c'est même plus du brillant à ce niveau-là, c'est du chrome, carrément. Mais enfin. Est-ce qu'on va avoir... Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de deux Hanzo? Où est-ce que je me le carre dans le cul? Je me le carre dans le cul. Saké! D'accord, elle monte pas très haut en fait. Ok. Qu'elle accepte? Non, elle accepte pas. S'ils ont une fatale, je suis mort. Elle veut bien s'y accrocher ici? Non, elle veut pas. Putain, j'ai chié mon coup. Oh, alors là, ça s'est joué à rien. Ça s'est vraiment joué à rien. Pharah au rappeur. Gabi. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour moi, c'est du RP pour eux. Pour eux, c'est, ils en ont rien à foutre. Ils jouent ce qu'ils veulent. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir faire quelque chose. Et attendez, ils ont eu le point A? Je l'ai même pas vu faire! Je les ai même pas vu faire! J'aurais été rigolo. Oh. Oh, elle m'a eu quand même. GG. J'imagine que la projection de Pharah n'est pas aussi forte sur un tank. Ça dépend du poids du personnage littéralement, hein, j'imagine. Voyons voir. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Voilà, il a eu une solide aim, hein, tout simplement. Hein.
Bien joué, bien joué. Alors. Faites gaffe, il y a quelqu'un juste à l'entrée. Hop. Ok. J'ai cru entendre une tresseur. Les héros ne meurent jamais. Je vois des ombres de Pharah. Ok. Ok. Je commence à comprendre comment ça se joue. Hop. Ah, GG. C'était une ulti ou c'était il m'a eu juste comme ça? Parce qu'honnêtement, GG. C'était pas une ulti. GG. On avait pratiquement fait un TK, c'est dommage. Où est-ce que ça m'emmène? D'accord. Les héros ne meurent jamais. Ça touche pas tant que ça. Il y a un gros spread à distance. Ah la vache. Alors là, il y a danger. Là, il y a énorme danger. Si j'avais eu mon ulti, je l'aurais pas gâché. Je voulais juste avoir le heal, à vrai dire. Ça me permet de tester un petit peu les limites de ses ultis. Faut dire que lui, il a bien balancé aussi. Si on passait par là pour une fois, ça peut-être les surprendre. Non! Ah, j'ai pas réussi. Je voulais le tabasser. J'ai pas réussi. Ah, défaite. GG. Bon, on commence à comprendre comment que ça se joue, cette histoire. Ok, donc c'est un flanqueur qui a un spread à longue distance sur son ulti, qui nécessite donc que l'ulti soit utilisé vers le sol à longue distance plutôt que vers la cible. A mon avis, parce que les roquettes font une quantité de dégâts explosifs, des dégâts splash. Ok. Faut que ça s'enregistre. Il faut que ça s'enregistre. Ok, ok. Eh bien écoutez les amis, du coup on va saisir sur cette information capitale sur comment jouer Pharah. Je vais peut-être potentiellement faire des vidéos sur la façon tuto de jouer, dont je joue le jeu. Hein. Un tuto dont je joue le jeu, c'est ma façon de jouer. Encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez que cette vidéo sorte ou pas, hein, si la façon de jouer au jeu. S'il y a des joueurs parmi vous, n'hésitez pas à commenter. Je vous rappelle que mon battle tag sera normalement visible en bas à droite au niveau du logo de la chaîne au passage. Du nouveau logo, donc hein, du logo entre guillemets amélioré que j'ai improved. C'est ça, il me semble, improved. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne représente plus que le logo et non le nom au-dessus. Donc ça l'a grossi un petit peu normalement et il apparaîtra en bas à droite par là. Donc on aura un petit peu de texte avec mon battle tag dessus si vous voulez jouer avec moi. Donc encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!